y a plusieurs raisons d'avoir une population bien nourrie. D'abord au niveau du point de vue économique, une population bien nourrie, elle est vigoureuse, elle a de la force pour travailler, mais aussi pour générer d'autres revenus lorsqu'ils sont en bonne santé. Donc ils ne tombent pas malades et ils peuvent gagner de l'argent. Dans ce cas-là, du point de vue économique, c'est bon d'avoir une population en bonne santé. Et deuxième raison, c'est l'intelligence. Une population qui est mal nourrie, il y a une capacité intellectuelle qui est basse. Donc ils ne peuvent pas raisonner, ils ne peuvent pas inventer, innover, tout ça. Donc il faut, pour améliorer leur économie, leur énergie, leur état de santé, donc il faut avoir une santé qui est saine pour ces raisons que je viens de mentionner. Il y en a beaucoup parce que déjà on dénombre 39% des ménages qui connaissent encore une malnutrition, donc qui n'ont pas assez de nourriture pour satisfaire leurs besoins.